Allez, salut, salut, voilà, c'est toujours moi dans mon hospital. Voilà, excusez-moi pour votre attente parce que il y a un peu longtemps que j'ai fait des vidéos. Donc, je suis là et grâce à Dieu, tout va bien. Voilà, et aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter une bourse de l'Allemagne. Voilà, c'est une bourse qui est vraiment intéressante. Donc, j'ai voulu vous partager cela pour que ceux qui sont dans les normes et ceux qui sont dans ces critères-là puissent au moins postuler. Puisse au moins postuler, voilà. Et pour l'instant, l'appel à la candidature pour les bourses MA pour la rentrée 2022 a déjà expiré, voilà. Ici, ça a déjà expiré et les résultats seront là le 10 septembre. Voilà. Mais ce que moi je voulais vous présenter, c'est quoi? C'est la nouvelle bourse dans l'administration. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si vous venez ici par bourse d'études, vous allez voir comme ça les bourses qui sont disponibles dans des programmes bien définis. Donc ici, maîtrise en études de développement. Donc vous comprenez directement que en fait c'est une bourse qui concerne le master et puis le doctorat. Voilà, donc et c'est à temps plein, c'est-à-dire l'étudiant va étudier, doit étudier à 100% en présentiel. Voilà. Et les bourses comprennent des indemnités mensuelles de 650 euros, on les paye, les indemnités de voyage aussi. Pour les candidats à la maîtrise et 900 euros plus les indemnités de voyage pour les doctorants. Voilà, les frais de scolarité et d'inscription sont couverts par le programme de bourse. Donc ça veut dire qu'en réalité l'étudiant ne paye rien. Voilà, voyage jusqu'au dortoir, c'est cette bourse qui s'en occupe. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors pour cette bourse, il faudrait pas se voiler la face. Voilà, il faudra vraiment traduire tous ces documents en anglais et vous devez avoir un certificat en anglais. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le certificat en anglais, je vous ai déjà montré où est-ce que et comment est-ce que vous devez faire. Vous venez juste là sur Google, je vais vous montrer encore. Et bien, donc, comme je vous disais, voilà. Pour avoir un certificat, c'est très simple. Soit c'est TEFL ou bien ISS ou bien c'est Duolingo. Et essayez de prendre Duolingo parce que là-bas, vous allez pouvoir vous retrouver. Pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, vous allez pouvoir vous retrouver et puis chercher au moins la bourse. Voilà. Donc Duolingo ici, ça c'est un certificat. Ne vous inquiétez pas pour la langue. Voilà, c'est parce que je suis en Russie que la langue sort toujours comme ça. Donc c'est un certificat comme ça qui vous permettra de postuler dans plusieurs universités qui demandent des certificats en anglais. Voilà, donc essayez au moins ça. Vous n'avez pas grand-chose à perdre parce que si vous n'avez pas de certificat, c'est un peu complexe de pouvoir postuler aux bourses. Donc essayez d'avoir cela. Bon, je vais mettre le site en anglais ou bien en français. Comme ça, voilà, en français. Essayez de postuler à Duolingo. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un certificat à vous. Voilà, pour pouvoir postuler dans les universités. La méthode amusante, gratuite et efficace pour apprendre une langue. J'ai déjà un compte. Donc ici par exemple comme ça, sur Duolingo, vous allez vous enregistrer. Voilà, et vous allez passer des tests. Voici le site qui est là. Il y a plusieurs choses. Vous allez passer les tests. J'ai déjà montré comment est-ce que vous devez faire sur une partie de mes vidéos. Voilà. Donc si vous cherchez bien, vous allez voir, vous allez trouver. Donc c'est le site Duolingo qui est là. Voilà. Et on va repartir directement sur le site pour pouvoir vous montrer comment est-ce que vous devez postuler à la bourse. Voilà, pour ne pas trop durer. Donc, ici, conditions de candidature. Les candidats à la bourse sont invités à lire attentivement. Oui, les candidats doivent être d'origine d'Afrique subsaharienne. Les candidats doivent avoir un dossier académique exceptionnel, 70%. Les candidats, je vous rappelle très bien que 70%, ça, c'est lorsqu'il y aura plusieurs étudiants. Voilà. Ils tiennent vraiment compte de ça, mais lorsqu'il y a moins que ce que eux-mêmes demandent, voilà, ils croient que le 70% c'est pas vraiment, voilà. Donc ça c'est pas un problème. Ici, l'étudiant doit avoir complété bon le diplôme précédent, baccalauréat ou master. Quand on dit baccalauréat ou master, c'est pour ceux qui ont la licence ici, ils appellent ça baccalauréat, et ceux qui ont le master ici, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc si vous lisez, vous allez voir que en fait il y a ce qui nous intéresse.
Les candidats doivent fournir la preuve de leur maîtrise en anglais, tant à l'écrit et à l'oral. Cela peut être un test TOEFL ou un test standard similaire ou une lettre d'un établissement universitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux, par exemple, qui ne veulent pas, qui savent que peut-être ils vont pas pouvoir réussir le test TOEFL ou bien le test Duolingo que je viens de vous montrer, vous pouvez aller à votre département, par exemple en anglais, voilà, et demander à votre prof d'anglais, comme ça, au professeur d'anglais, de vous écrire une lettre de recommandation qui prouve que vous maîtrisez l'anglais, voilà, qui prouve que ça va en anglais chez vous et tout ça, voilà. Mais sachez que ça, c'est la troisième option parce que ceux qui auront des certificats TOEFL et tout ça, ils seront privilégiés que vous, voilà. Voilà, donc les filles sont encouragées aussi à postuler parce qu'ils mettent la priorité sur l'étude de la femme. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, pour pouvoir postuler, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose. Voilà, vous venez dans la partie ici, comment postuler. Vous allez cliquer sur comment postuler. Ils vont vous trouver ce lien-là. Voilà, et si vous voulez encore plus de classement, vous pouvez lire ce qui est là. Ça aussi, ce sont les conditions pour pouvoir adhérer. Donc, je vais vous montrer un peu rapidement pour que vous puissiez postuler. Donc, vous venez ici dans MADM. MADM, c'est un site, voilà le site qui est là. Et vous allez venir là. Essayez de voir un peu. Il y a un lien que vous allez utiliser pour pouvoir postuler. Donc, je vais chercher ici comme ça, institut. Vous venez dans how to apply ici, ou bien vous venez dans scholarship. Dans les deux cas, il y aura le lien là-bas. Donc voilà ici. Et n'oubliez pas, la date limite c'est en novembre. Voilà, donc jusqu'au 15 novembre, tout doit être prêt. Sinon, vous ne pouvez pas postuler après. Voilà, donc et les résultats seront en janvier. Ici, vous venez sur Online Application Form, vous allez cliquer là et vous allez voir l'application ici. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, vous allez créer votre compte. Voilà. Une fois que vous créez le compte ici, je vais. Voilà. Ici, vous allez créer votre compte. N'oubliez pas, c'est une admission qui va être directe. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez faire. Ici, par exemple, les candidatures doivent être soumises directement à l'université via une plateforme en ligne. C'est où j'étais parti tout à l'heure. Avant de traiter votre candidature en ligne, assurez-vous d'avoir lu, ok, ligne, les informations pertinentes contenant ici. Préparez également la documentation pertinente avant de commencer le processus en candidature. Il n'est pas possible de sauvegarder les données à mi-parcours du formulaire de candidature. Une fois lancé, le formulaire doit être complété. Voilà, donc vous avez compris ce qui est dit ici. C'est pas comme les autres plateformes où vous allez. Vous écrivez un peu, après vous revenez pour compléter. Non, ici, si vous commencez, vous devez finir, vous devez aller jusqu'au bout. Si vous commencez l'application, c'est-à-dire ce qui est là, si vous commencez, vous devez aller jusqu'au bout pour finir. Voilà, donc ici j'étais là. Les documents dont vous avez besoin, voilà, c'est il y a une lettre de candidature décrivant la motivation de votre candidature. Voilà, donc c'est la lettre de motivation. Il y a un CV, le CV doit être sous la forme Europass. Voilà, donc vous pouvez cliquer là et vous allez avoir ce CV là Europass. Vous allez télécharger et vous allez voir ce que vous devez faire, vous devez remplir. 3 certificats de fin d'études, ça c'est le diplôme. Certificat universitaire indiquant la 3 à la fois les 3 académiques décernés et toutes les notes uniques relevées de notes complètes. Voilà, ça vous savez. Preuve d'un emploi ancien ou actuel ou toute autre expérience pratique, donc ceux qui ont fait par exemple comme ça des stages et tout ça, voilà, ils peuvent aussi ajouter. Ceux qui ont travaillé aussi, ils peuvent aussi ajouter. Photo format passeport, copie de passeport ou la carte d'identité, voilà. De l'aide de recommandation académique et une offre professionnelle. Donc ici, de l'aide de recommandation académique, c'est-à-dire vos professeurs donc que vous avez eu auparavant, ils peuvent vous faire une lettre académique, une lettre de recommandation. Et si vous travaillez aussi dans un endroit, dans un bureau,
ils doivent avoir, votre boss aussi doit vous donner une lettre professionnelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, sachez que elle est vraiment totale et vous ne payez rien. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord venir vous inscrire ici. Vous allez créer votre compte là. Vous allez créer votre compte directement. Et une fois que vous finissez, je vais mettre en français, comme ça vous allez voir. Il y a suivant. Voilà. Vous allez. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre soumettre et vous allez continuer. Vous allez mettre soumettre et vous allez continuer pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Donc, je ne vais pas aller loin. Mais si vous rencontrez des soucis, si vous rencontrez des soucis, directement vous écrivez en commentaire pour que je puisse vous répondre et vous allez avancer avec. Voilà, donc les gars, c'est une bourse qui est vraiment très connue. Voilà, qui est à l'université de Ruhr, qui est en Allemagne. Donc si vous êtes vraiment très intéressé, vous allez pouvoir postuler et avoir cette bourse sans souci. Si vous êtes dans les normes, bien sûr, n'oubliez pas, c'est l'anglais en premier qu'ils mettent devant. Donc essayez au moins de chercher la lettre du certificat sur Duolingo ici. Vous comprenez? Voilà. Il y a plusieurs plateformes de Duolingo, mais je crois que Duolingo, les frais pour pouvoir avoir le certificat sur Duolingo, c'est de 49 dollars. Voilà. Donc si c'est pas si ça n'a pas varié, donc essayez au moins de l'avoir et puis postulez à vos bourses. Voilà, donc c'était un peu ça les gars, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Donc à plus les gars, et à tout à l'heure en même temps.